Présidente, chers collègues, la vie des Français n'est pas simple en ce moment. Celle des habitants d'Occitanie n'échappe pas aux difficultés quotidiennes qui se multiplient. Une crise en chasse une autre. Parfois même, elles se superposent. Le tableau n'est pas gai et pourtant, ne l'oublions pas, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Dans ce contexte, le repli sur soi pourrait faire des émules. Pour vivre heureux, vivons cachés. Construisons des remparts, diabolisons l'autre qui ne nous ressemble pas. Cette corde sensible agitée par les populistes n'est certainement pas la réponse aux crises que nous traversons. La réponse n'est pas si simple et les jeunes l'ont mieux compris que nous. Cette réponse que nous devons apporter doit être globale, collective, plurielle, massive. Car si parfois nous avons tendance à oublier les enseignements de l'histoire, les crises sont là pour nous rappeler notre responsabilité à travailler main dans la main. État, territoire, monde économique, université, monde associatif, citoyen tout simplement. La solidarité n'a pas de frontières. Je ne peux pas être heureux si mon voisin ne l'est pas. Je ne peux pas être en sécurité si mon voisin ne l'est pas. Ainsi, si l'action internationale a longtemps été le monopole des États, les territoires et en chef de file les régions se montrent efficaces pour établir un dialogue et des actions pragmatiques qui ont un écho dans la vie quotidienne des citoyens. La région Occitanie a fait et fait sa part dans cette action internationale collective, pleinement, en conscience, avec ambition et détermination. Écrire une stratégie Europe et internationale en est la preuve. Analyser plus de 4500 avis, rencontrer des centaines de partenaires, démontre la volonté de travailler pour notre destin commun, pour bonifier et ajuster notre action. Avec cette nouvelle stratégie, l'Occitanie ne part pas de zéro, loin de là. Sa tradition de solidarité restera l'un des piliers de notre action à l'international. Jamais nous ne détournerons notre regard face aux naufragés en Méditerranée, aux populations victimes de séismes ou de guerres, jamais. La coopération transfrontalière, la recherche scientifique à l'échelle internationale ou l'aide à la mobilité internationale des jeunes resteront des marqueurs forts de notre projet. De nouvelles orientations viendront compléter notre programme pour participer à des relations internationales où tous les protagonistes ressortent gagnants. Avec fierté et humilité, la région Occitanie veut donner et recevoir. Première région européenne en agriculture biologique, deuxième région en termes de biodiversité, première région européenne à avoir conclu un pacte vert, région en tête de file pour le développement de l'hydrogène vert. Nous avons des enseignements à partager avec nos voisins et nos partenaires extérieurs pour participer à l'avènement de ce monde plus résilient qui garantira un avenir durable à toutes les jeunesses. L'Occitanie a aussi bien sûr à apprendre des autres pour accélérer les politiques publiques qu'elle porte. Nous devons renforcer l'internationalisation de nos enseignements, œuvrer pour la souveraineté dans les domaines qui sont majeurs pour notre économie dans un esprit gagnant-gagnant. En effet, souveraineté et relations extérieures ne sont pas antinomiques. Partout, il y a des exemples inspirants pour notre territoire. Quelques-uns. Nous en avons parlé, le vélo aux Pays-Bas, la lutte contre les violences faites aux femmes en Espagne, le développement de l'entrepreneuriat populaire en Afrique de l'Ouest grâce au microcrédit. Les exemples ne manquent pas. Cette politique Europe et internationale, nous ne la porterons pas seuls. La consultation l'a démontré, entreprises, étudiants, associations, départements, métropoles, agglomérations, tous travaillent d'arrache-pied pour créer du lien à l'intérieur et par-delà les frontières d'Occitanie, région plus grande que certains pays d'Europe avec ses presque 6 millions d'habitants. La région accompagnera avec la joie du collectif tous ceux qui œuvrent à faire rayonner notre territoire. Elle est ainsi aux côtés de la ville de Montpellier, retenue dans la shortlist des villes capitales culturelles européennes en 2028, aux côtés des universités, des fleurons de l'économie que sont l'aéronautique ou la viticulture, des secteurs prometteurs que sont les studios de jeux vidéo ou la cybersécurité ou encore l'artisanat d'art qui rendent unique notre territoire ou bien encore des jeunes qui ont soif d'ailleurs. Penser global, agir local et global, telle est l'ambition de la région Occitanie pour œuvrer à un destin collectif lumineux, gai et empreint d'optimisme. Merci.